En 1987, Capcom cartonne dans les salles d'arcade avec un jeu nommé Street Fighter. Le succès rencontré par le jeu encourage le studio à mettre en chantier une suite. Mais ce qui aurait dû être Street Fighter 2 évoluera pour devenir un beat'em up, Final Fight. Pour Retro & Magic, c'est la lutte finale. Metro City est une métropole américaine gangrénée par le crime. Un état de fait que le nouveau maire, Mike Haggar, sorte de version bodybuildée de Freddie Mercury et Poc Moustache, ne compte pas tolérer. Ne parvenant ni à le corrompre ni à le faire plier, le gang Mad Gear décide de recourir à un bon vieux chantage en retenant sa fille Jessica en otage. C'était compté sans l'instinct paternel de Mike, qui par ailleurs est un ancien champion de catch. Mère, père et en colère, Haggar recrute Cody Travers, le petit ami de Jessica, et son camarade Guy, expert en ninjutsu, pour aller dérouiller les membres du gang et restaurer la paix dans les rues. Malgré un pitch ouvertement inspiré de celui de Double Dragon, Capcom sort le grand jeu. Graphisme somptueux, sprites énormes, Final Fight en met plein la vue. Le jeu introduit le concept des trois personnages complémentaires que l'on retrouvera bientôt dans Streets of Rage. Mike est lent mais puissant, Cody est équilibré, et Guy est rapide et agile. Le jeu s'apprécie seul ou à deux, tout au long de six niveaux. La rue, le métro, un chantier, le quartier chinois, et ainsi de suite jusqu'au quartier général de Mad Gear. Pour vaincre les membres du gang, les trois combattants de la rue auront accès à une panoplie de coups de poing, de pieds et autres attaques sautées. Ils pourront également ramasser divers objets contondants, comme des couteaux, des morceaux de tuyaux ou même des sabres. Enfin, il est possible d'agripper les ennemis avant de les projeter dans le décor ou sur leurs congénères. Tous les deux niveaux, le joueur pourra prendre part à un stage bonus, et on retrouvera notamment le bon vieux stage où il faut détruire une voiture en temps limité. Final Fight a très bien vieilli et reste encore à ce jour une référence du beat'em up. Son équipe de développement réalisera par la suite Street Fighter 2, et certains personnages de Final Fight, comme Cody et Guy, réapparaîtront par la suite dans la saga Street Fighter. Final Fight sera porté sur de nombreuses machines. Sur ordinateur, c'est US Gold qui se chargera de ces conversions maladroites qui ne font pas honneur à l'original sur borne d'arcade. Mais le jeu fera d'abord l'objet d'un portage sur Super Nintendo dès 1990. Il s'agit d'un des titres de lancement de la console de Nintendo, censé démontrer ses capacités techniques. On sent toutefois que Capcom ne maîtrisait pas encore parfaitement cette plateforme, car si Final Fight sur Super Nintendo reste très plaisant à jouer, il s'agit d'un portage incomplet. En effet, seuls Mike et Cody sont jouables, certains niveaux ont disparu et le jeu ne propose pas de mode de joueur. Le mécontentement des fans sera tel que Capcom se sentira obligé de proposer en 1992 une version spéciale baptisée Final Fight Guy. Comme son nom l'indique, elle marque le retour du ninja, même s'il se contente de prendre la place de Cody. Quelques petites nouveautés, comme la présence de plusieurs niveaux de difficulté, ne suffisent toutefois pas à faire oublier que le reste du contenu manquant l'est toujours. En 1993, Capcom transpose les aventures de Haggar, Cody et Guy sur NES avec Mighty Final Fight. Cette version propose des graphismes super deformed qui ne sont pas sans rappeler les aventures de Kunio-kun. Et l'histoire est également traitée sur un ton nettement plus humoristique. Outre la différence visuelle, Mighty Final Fight apporte quelques nouveautés de gameplay. Par exemple, les personnages gagnent des points d'expérience à chaque ennemi vaincu, leur permettant d'utiliser de nouveaux coups. Malgré l'absence du mode de joueur, Mighty Final Fight demeure un très bon beat'em up sur NES, et ses graphismes chibi lui donnent même un certain charme. En 1993 voit également la sortie de la première vraie suite à Final Fight, le bien nommé Final Fight 2, exclusif à la Super Nintendo. Pensé spécialement pour la console, cet épisode est nettement plus complet et convaincant que son prédécesseur sur cette même machine. On retrouve notamment trois personnages jouables et le mode de joueur qui faisait tant défaut à la version Super Nintendo du premier Final Fight. Après leur victoire sur le gang Mad Gear, les héros du premier épisode prennent un repos bien mérité. Cody et Jessica sont partis en vacances, et Guy a entrepris un voyage d'entraînement. Mike, quant à lui, a retrouvé son bureau et ses administrés. Mais alors que Metro City pensait être débarrassé du gang Mad Gear, celui-ci refait surface et se venge en débarquant au Japon et en kidnappant la petite amie de Guy, Rena, ainsi que son vieux sensei. Peut-être pour lui faire payer son absence de la version Super Nintendo du premier épisode ? Toujours est-il qu'il revient à Mike de repartir au combat, répondant à l'appel de Maki, la sœur de Rena. Un troisième personnage, Carlos Miyamoto, se joint également au combat.
On retrouve donc la sacro-sainte Trinité avec un personnage agile, Maki, un personnage équilibré, Carlos, et Agar dans le rôle du poids lourd. Très similaire au premier épisode dans le principe, Final Fight 2 entraîne le joueur aux quatre coins du monde, des docks de Hong Kong aux rues de Paris en passant par la Hollande, l'Italie et enfin le Japon. Pour un peu, le jeu aurait donc pu s'intituler Final Fight 2 The World Warrior. D'ailleurs, les plus observateurs pourront repérer Chun-Li assise à la terrasse d'un restaurant dans le niveau se déroulant en Chine, et même Guile fait une petite apparition dans le jeu. En 1994, Capcom sort Final Fight 3, toujours sur Super Nintendo. Au Japon, le jeu porte le nom Final Fight Tough. Le gang Mad Gear ayant été défait pour de bon, la paix semble être revenue à Metro City. Mais voilà qu'un nouveau gang, les Skullcross, fait son apparition et tente de prendre le contrôle de la ville. Il n'en faut pas plus pour que le maire Mike Agar arrache à nouveau sa chemise pour aller botter des derrière. Il est cette fois-ci accompagné par trois compagnons potentiels, Guy, de retour de son entraînement, l'inspectrice Lucia Morgan et le mystérieux Dean, qui a des comptes personnels à régler avec les Skullcross. Si Final Fight 3 propose davantage de mouvements et même des coups spéciaux à la manière des Street Fighter, difficile de ne pas sentir une certaine routine s'installer. Le retour à Metro City signifie revisiter des décors très proches de ceux du premier épisode, alors que Final Fight 2 avait su apporter un peu de dépaysement. Final Fight 3 n'est pas un mauvais jeu, mais il se repose un peu trop sur ses acquis. Mais si Final Fight 3 ne prenait peut-être pas assez de risques, Final Fight Revenge, qui en 1999 marque le retour de la série en arcade, en prend peut-être trop. Il s'agit cette fois-ci d'un jeu de baston classique proposant des affrontements en arène un contre un. Le jeu, développé par le Production Studio 8 de Capcom basé aux États-Unis, adopte également des graphismes en 3D qui semblent déjà datés au moment de sa sortie. Le joueur choisit son combattant parmi plusieurs personnages tirés du tout premier Final Fight. Agar, Cody et Guy, bien sûr, mais aussi d'anciens ennemis comme Eddie E, Lorento ou encore Poison. Chacun possède sa propre palette de coups et pourra également récupérer divers objets dans l'arène, le plus souvent dissimulés dans des caisses qu'il faudra briser. La possibilité de se déplacer dans les trois dimensions apporte un peu de stratégie. Malheureusement, Final Fight Revenge n'a pas assez de qualité propre pour s'imposer face aux cadors de la baston, ne serait-ce que les autres jeux de Capcom. Après une tentative avortée de développer un nouveau Final Fight en cel shading sous le nom Final Fight Seven Sons, Capcom revisite Metro City en 2006 avec Final Fight Streetwise. Ce beat'em up en 3D est à nouveau développé par le Production Studio 8. Le jeu prend place plusieurs années après Final Fight 3. On y incarne Kyle Travers, le frère de Cody, qui gagne sa vie en participant à des combats clandestins. Lorsque Cody, fraîchement sorti de prison, se fait enlever par la pègre locale, il revient à Kyle d'aller le sauver en castagnant tout ce qui bouge. Du point de vue purement mécanique, Final Fight Streetwise est un beat'em up efficace, avec des combats nerveux et de nombreux coups à maîtriser, d'autant qu'il est possible d'en apprendre de nouveau en allant s'entraîner au dojo du coin. Malheureusement, des soucis de caméra empêchent d'en profiter pleinement. Mais surtout, Streetwise est un raté artistique. Fini les décors chatoyants et les ennemis hauts en couleur caractéristiques des épisodes 2D. Ce Final Fight opte pour un style réaliste qui se traduit surtout par des graphismes aux couleurs ternes et des personnages sans charisme. Les rues de Metro City sont sales, miteuses et désespérément grises. Et les personnages sont des butors grossiers auxquels il est difficile de s'attacher. La bande-son alterne quant à elle remix du premier Final Fight avec des morceaux de groupes de hip-hop ou de heavy metal comme RZA ou Slipknot. Des groupes qui seraient tout à fait à leur place dans d'autres jeux, mais qui semblent ici en complet décalage avec la série. Il est bien dommage que Capcom n'ait pas su garder l'esprit des premiers Final Fight intacts. En attendant un éventuel retour en force de la série, les fans de l'éditeur japonais devront se contenter des apparitions de ces personnages dans Street Fighter. Et c'est ainsi que s'achève le dernier numéro de Retro & Magic sur No Life. Vaincu à l'usure certes, mais avec son honneur resté intact jusqu'au combat final.